porte-parole nous a informé que le président était déjà au courant de cette affaire. Je vais pas mettre ça, moi. Trouve-toi quelqu'un d'autre pour satisfaire tes fantasmes. Mais non, elle n'est pas vieille. C'est une femme mûre et très bien conservée pour son âge, hein? 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 Non, non, pas touche! C'est pour papy! Tiens, il y aura de nouveaux dégraissages dans le ministère. Ouais, c'est agréable au toucher, mais ça va se salir hyper vite. Je ne savais pas que tu viendrais. J'ai juste de l'eau du robinet. Ça va? Quoi? Il t'a enfin demandé en mariage? Et il est comment, physiquement? Plutôt beau gosse? Pourquoi le pantalon taille basse? Tu veux vraiment que tout le monde voit ta raie des fesses? Je peux commencer dès demain. Où est-ce que je signe? Je sais pas ce qu'il a. Il allait et il se gratte tout le temps. Moi, je le trouve confortable. Non, mais j'hallucine. Du cannabis en plein centre-ville? Ah non. Fini cette mascarade. Vous pouvez me le dire enfin que j'ai été adopté. C'est vous? Je vous ai pas reconnu avec cette capuche. Non, non, c'est rien de grave. Je me suis juste coupé le doigt en épluchant des pommes. Toi, bourré? Après quoi, deux gorgées de vodka? Pardon, monsieur. Appelez la police. On m'a volé mon sac à dos. Et le lendemain, elle était déjà à Cuba. C'est un peu louche cette affaire. Je t'ai mille fois répété de ne pas toucher mon téléphone avec les doigts sales. Pardon, mais il y a une fuite d'eau. Ça coule déjà sur tout le plafond.